pour une nouvelle vidéo les gars, c'est GameZeta 5, surtout abonnez-vous, laissez un gros pouce bleu, c'est un plaisir les potos. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo les gars. Et oui, on a racheté un nouveau correcteur les gars. C'est le Fen de... non pas celui-ci. Celui-ci les gars, le Fen Mivaro qu'on a acheté cette semaine. Et on a acheté un champ les gars. Regardez-moi ça. Le 149, du coup on va aller s'en occuper. Attendez, parce que du coup je sers mon correcteur moi avant. Pourquoi un Fen ici? Ah oui, ça c'est chef d'ouvrier. Tac, ici. Du coup, les gars, on a acheté un petit champ. Bon, c'est un petit champ, hein, les gars. On n'a pas pu acheter grand champ. Mais Karim est content d'avoir acheté ce champ, quoi. Vraiment, hein. Ça fait trop plaisir. Du coup, allez, c'est parti, les gars. Go, go. Attendez, parce que je vérifie si on m'entend cette fois-ci. Oui, c'est bon. Du coup, c'est parti les gars. Du coup, on va semer nos champs, nos croissants, et après, on se retrouvera directement pour moissonner nos croissants. Non, nos 400. C'est 1, 2, 3, 4. Et on verra combien la moissonne sera remplie. Est-ce qu'elle sera remplie ou pas? Ça fait déjà plaisir d'avoir acheté un champ, les gars. Vraiment. Je peux vous dire que c'était pas gagné au début, hein. Au début, c'était pas gagné du tout, hein. Du tout, du tout, hein. Mais bon, normalement, ça devrait y aller. Oh. Normalement. Ça, c'est un grand mot, ça. Écoutez, j'espère que vous passez un bon week-end, les gars. Hein, vraiment. Normalement, semaine prochaine, il y a une grosse vidéo sur un jeu où je suis nul. Normalement, semaine prochaine. Normalement. Normalement, normalement, les gars. Je vous redirai. Normalement, c'est une grosse vidéo. Je pense que ça va faire 1 heure en vrai. 1 heure de vidéo. Je sais pas quand je vous la ferai. Soit cette semaine, soit la semaine d'après. J'espère juste que ça va vous plaire, quoi. C'est une très grosse vidéo. Et c'est une vidéo qui est. Basé sur un jeu FPS qui est pas trop mal, quoi. Je veux dire. Ok, parfait, les gars. Continue. Bon, déjà, on peut vous dire c'est pas sur Rust. Vous inquiétez pas. Pour ceux qui se posaient la question, non, non. C'est sur un jeu très célèbre, les gars. Alors, les gars, on va. Semer ses croissants sans coupure, hein. Ça sert à rien de faire des coupures pour l'instant. Voilà. Dans l'autre sens, par contre, je sais même pas si c'est moissonné ou pas. Attends, je vois d'ici. Non, c'est faut semer, ok. Aujourd'hui, alors on a un nouveau serveur où on peut pas se tuer gaming. Ah, bah c'est bien. Oui, parce que les gars, on va aussi faire du rust normalement un jour ou l'autre. Un jour arrivera. Il y aura une vidéo de Rust aussi. Ok, parfait les gars. Pareil, là, faut que je fasse les réparations de mon Fen, les gars. Parce que ça devient compliqué. Oh. Les réparations du Fen, ils se font pas, les gars. Allez, go, go, go. Ok les gars. On moissonne les croissants et les 400. Puis après il y aura une coupure les gars pour on se retrouve directement pour moissonner. Par contre pourquoi il n'y a plus de basse? Ah voilà. Vous allez me dire ouais pourquoi il n'y a plus de basse? Plus de basse. C'est pas possible. Tout, 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 tout. Attendez 2 secondes, je me remets juste en VOC parce que la VOC a bugué, les gars. Hop. Désolé, la miss. Tu connais les petits bugs qui arrivent au pire moment, tu sais.
Tout, 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 tout. Oh, d'ailleurs, la mise, je regarderai peut-être ton ST là quand tu vas faire confession. Ça a l'air d'être pas mal. Du coup, les gars, on continue. On sème à fond. Zanzazion, il y aura pas de coupure, les gars, tant qu'on n'a pas fini les 4 sorts du semé. Après, il y a une coupure juste pour qu'on accélère le temps. Et qu'on peut moissonner, les gars, pour voir combien ça fait de rendement. Est-ce que ça fera encore plus de rendement que quand j'avais les autres champs? Ou est-ce que justement ça fera moins de rendement? Mais normalement ça va faire plus de rendement. Pareil, là faut qu'on a cette. Vas-y, vas-y, la mise. Merde, qu'est-ce que je voulais dire? Putain, tu m'as paumé dans mes mots. Forex Asset aussi, c'est des trucs pour pulvériser. Du coup, là, on va peut-être aussi acheter ça, les gars. On va voir combien ça coûte. J'espère que ça coûte pas gros cher. C'est pas du tout. Forex Why. Bah, attendez, on va même regarder maintenant. C'est des trucs à engrais. Putain, 15 000. On va en prendre deux, hein. Ah, bien suffisant. Ah putain, je crois que c'était pas ça. Je crois qu'il fallait pas que je prenne ça. Ah, je crois que je me suis gouré, les gars. C'est pas le bon truc que j'ai pris. Ah, le con. Ça, c'est pour mettre dans le semoir. Ah, le con que je suis, oh. C'était ici qu'il fallait se prendre. Ah, de toute façon, on n'aurait pas pu prendre. Hein. Mais de toute façon, dimanche prochain, là, on va économiser. On va acheter plein de trucs comme ça. Et on va les prendre, on va les ranger dans la ferme. Pour que ça fasse un stock. On va en faire un stock la semaine prochaine. J'aurais essayé d'en envoyer au moins une vingtaine ou une trentaine de trucs. À faire, tu vois, ce serait pas mal. Attendez, je me remets dans la vocale parce que ça bug. Putain, aujourd'hui ça fait que de bugs. Relamise, désolé. Vogue de merde qui bug là. Ok, parfait, les gars. Putain, l'ami, je me suis trompé. J'ai acheté un truc qu'il fallait pas. C'était pas ça qu'il fallait acheter. Ça, c'est ce qu'on met dans le semoir, les gars. Bon, après, ça m'arrange. Je vais le mettre dans le semoir. Tu vois, comme ça va pulvériser. Mais c'est pas ça qu'il fallait faire. Je me serais bien servi de mon pulvérisateur, du coup. Mais bon. Du coup, pas trop possible. Pas grave. Avec tout ce que là, on va vendre, là, normalement, on va se faire des coules en or. Hein. Ok, parfait. Pro 500, les gars. Directement. Je veux dire... Zanzazion, Zanzazenez, Zouir. Ok, parfait. Attendez, hein. Je fais quelque chose. Attendez, hein. C'est juste un petit truc. Ah, bah évidemment. Le téléphone qui a plus de batterie, les gars. On connaît. Ah, il est vraiment pas grand, le champ. Ouais, je m'attendais à plus grand. T'en as vraiment pris un petit champ. Hein. Attendez, on va se remettre en voc. Ah, c'est chiant ça par contre. Attendez. Voilà. Redésolé la mise. Du coup, reprenons les gars. Désolé pour le truc de remettre en voc à chaque fois. Mais bon. Les serveurs bug aujourd'hui. Hein. Puis mon téléphone, as-y, mon 4G la mise, il s'est direct éteint. Oh. Ça va casser les couilles ça aussi.
On va mettre un sub goal, les gars. Voilà. On va mettre un sub goal. À force en stream. Non. Jamais. Non, bah, donne ton téléphone. Le pire qui me saoule, les gars, c'est qu'il n'est même pas abîmé. C'est juste la batterie qui est morte. C'est le même problème que toi. Ben ouais, c'est chiant. Genre, le pire, c'est qu'il est même pas abîmé. Encore, il serait cassé, tu vois. Il y aurait l'écran de pété ou je sais pas quoi, les gars. Se comprendrait, tu vois. Mais là, il n'y a même pas l'écran de pété, quoi. Il y a un qui est cassé, justement. C'est ça qui est chiant. Et pourquoi ça veut pas semer? Ah, il se marque, il me fait des cernes maintenant. Allez. C'est mort de merde. Oh. Les gars. C'est mort, me casse les couilles, hein. Faut dire ce qui est. En plus, on voit rien avec cette terre là. Voilà. Parfait. Recule. Joue. Mais c'est sûr, un système de batterie là. Et les gars, vous savez depuis quand ça me fait ça? Je sais pas si toi ça te fait pareil, la miss. Mais c'est depuis que Novaru a mis son pied dessus. Non, je rigole. Sorry, YouTube. C'est depuis qu'il a fait froid, les gars. C'est pas pourquoi. Alors, depuis qu'il m'a mis attention qu'on faisait la terre. Ouais, moi, depuis le froid. Ouais, moi aussi. Depuis qu'il m'a dit, ouais, attention qu'on faisait la terre, c'est pas quoi. Et bah, la batterie, maintenant, c'est un pour rien, les gars. Voilà. Sauf que ça saoule. Parce que, bah, le téléphone, il est pas abîmé, quoi. Après, certains ils me disent, ouais, faut le rétaliser et tout, mais vas-y, ça me fait chier de perdre toutes ces photos. Oh. Après, est-ce que je pourrais pas le rétaliser, mais en gardant les photos et dossiers? Moi, je lui, il a fait la température la plus froide de moins croix. Dans ma poste, ça m'a dit, il fait qu'on être. Ouais, bah, moi, c'est ça. Moi, en fait, c'est dans ma poste que ça a dit ça. C'est ça le problème. Et je pense que ça me l'a abîmé. Tu l'as aimé sur PC, ouais. Et je pense que c'était ça, moi, le gros problème. Mais bon. C'est pour ça qu'on va mettre un sub goal, hein. Les gars, vraiment. Hein. Pas grave, hein. Non, et puis même, je trouve que c'est profiteur un peu un sub goal comme ça. Après, je pourrais mettre les mêmes subs que TK, les gars. En mode, vous faites un don, ça parle. Ça serait pas mal. Mais, dans un futur. Inch'Allah. Ah ouais, c'était comment alors, la mise? Ok, parfait les gars. Ah non, moi j'aime pas faire ça, des sub goals. J'ai l'impression de profiter de mes abonnés, les gars, quand on se fait ça. Alors, je sais bien que pendant un an, là, ça se gagne rien, là, pour l'instant. Mais là, ça arrive bientôt à mes 4000 heures, tu vois. Ah, on retournera en VOC après, les gars. Flemme de retourner maintenant. Ok les gars, passe-temps continue, on est à fond. Ok,
Le sang va être semé, les gars. Zanzazion, zanzazionnez. Voilà, parfait, les gars. J'essaie d'avoir fait beaucoup de retours vocales, mais bon, la vocale elle bug là, on sait pas pourquoi. Ce matin, je sais pas, la vocale n'a pas envie de se mettre, écoute. Vraiment. Là, je vais m'y remettre après, les gars, en voc. Tranquille. Voilà, les gars. On se retrouve tout de suite dès que ça a poussé. A tout de suite, les gars. Re tout le monde. On se retrouve du coup pour moissonner, les gars. Du coup, c'est parti. Go moissonner. Zemerdi, zemerdi, oh. Allez, go, 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 les gars. Ok. Alors, par contre, on va récupérer la paille, les gars, comme d'habitude. Je pense que la prochaine fois qu'on sème, là, j'ai rempli les trucs d'engrais dans le semoir, là. Comme ça, on est sûr d'avoir un truc de semoir à l'intérieur. Alors là, on va mentionner les croissants sans cut, c'est stream. Sans cut la vidéo, je veux dire. Au moins comme ça, on va voir si la moissonneuse est remplie au bout de 400 ou s'il n'y a pas beaucoup de rendement, vous êtes sûr ou pas. J'aimerais bien qu'elle soit remplie, quoi. J'aimerais bien avoir du rendement un peu, quand même. Parce que là, compliqué. Mais après, on va mettre un coup de pulvérisation, de toute manière, les gars. Genre là, semaine prochaine, on a assez plein des coups de pulvérisation. On va en acheter une dizaine, on va acheter 2 x 8 de pulvérisation, 2 x 8 de crues de mettre dans le semoir, 2 x 8 de crues aussi pour l'avoine et tout ça. Des crues comme ça, quoi. Vraiment. Ok, parfait, les gars. Ok, parfait, les gars. Du coup, on va déjà moissonner tout ce temps-là. Déjà, il y a un peu plus de rendement, je trouve. N'empêche, le plus qui remporte, c'est quand même l'avoine. À chaque fois, je lui emmène au crin et tout. Mais là, cette fois-ci, on va tout garder, les gars. Tout ce qu'il y a à mettre dans le crin, on va le garder dans le silo. Et en fait, dans 2 dimanches, là, dans les 2 prochains épisodes, on va garder, on va garder, on va garder. Et on vendra dès qu'on sera à plus de 100 000. D'accord, les gars? Au moins, comme ça, dès qu'on vendra tout ça, ça nous fera pas mal de thunes, déjà. Alors on va essayer de remplir le silo à mort. Alors jusqu'à temps qu'on peut plus remplir le silo, on va essayer de remplir. Moi comme ça, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va le vendre en un épisode, je pense. On essaiera de le vendre, on va essayer ou pas. Voir combien on gagne. Ce serait pas mal. De voir combien on gagne ça là. Ok. Perso, prochain but cette semaine. Bon là on a acheté un fend. On a acheté un champ. Ça serait de racheter le 48 et le 47 cette semaine. Quand je vais être en Day Off. Et le acheter une autre benne. Parce que des fois, on va finir avec moi et tout. Et quand on fait les contrats, c'est bien d'avoir 2 bennes à 200 000, tu vois. Du coup, les bennes. Bah, la benne. Ça va être facile. C'est le premier qu'on va acheter. Et acheter 2 champs. Le 48 et le 47, les gars. Ça sera déjà pas mal. Ça sera pas mal du tout. Comme ça, on aura déjà 1, 2. Alors attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On aura déjà 6 champs. Et ça, pas mal. 6 champs, c'est déjà énorme en vrai. En vrai de vrai, les gars. Et ça, pas mal, hein. C'est déjà pas mal du tout, même. Ok, parfait, les gars. Ok, on continue comme ça, les gars.
Easy, easy boy. Easy, easy, easy boy. Easy, easy, easy boy. Ok, parfait les gars. Ok, parfait les gars, on continue. Merde, pourquoi ça s'est coupé ça? La moissonneuse de merde. Attendez, on va juste faire un retour vogue parce que ça bug que maintenant. C'est un peu deg. Rien, attendez. Relamise, désolé. Vous êtes en train de moissonner, vous pouvez pas revenir. Désolé, vous êtes en train de moissonner. Ah, dites-vous, c'est chiant quand ça fait des bugs comme ça, de vos cannes là. C'est le plus chiant, les gars. Ok, parfait. Deuxième champ déjà presque fini de moissonner. Hein. Mine de rien. Eh, vous savez que mine de rien, cette moissonneuse-là, putain, elle va avoir battu l'heure qu'on avait fait dans la saison 1. Dans la saison 1, elle avait fait 10 heures. On était à 7,4, on l'a pas changé. Hein. On n'est pas prêt à changer, hein, parce que pour l'instant, on attend d'avoir beaucoup de sang. On attend de voir que, bah, avec tout ce qu'on va avoir, qu'au bout d'un moment, la moissonneuse, elle donnera plus assez, tu vois. Au bout d'un moment, quand ça sera trop loin, bah après on en achètera une nouvelle, vous sûr pas. Pour l'instant, on va garder celle-ci pour l'instant. Mais dès qu'on va voir que, bon, vas-y, ça va être horrible parce qu'il y aura tellement de routes à faire et tout ça, qu'on achètera une beaucoup plus grosse, tu vois. Mais celle-ci, pour l'instant, elle est vraiment pas mal, hein. Moi, ce que j'aimerais juste acheter, c'est une nouvelle barre de coupe sur celle-ci. Une un peu plus grosse. Mais je sais pas si ça passerait sur la maçonneuse. Je sais pas du tout. Normalement, oui. Mais bon. Le oui est un grand nom, quoi. Ok, parfait. On est à 42%, on va avoir moissonné les deux champs. Alors imagine le troisième champ. Ok, parfait. Ok, parfait les gars. Parfait. Continuons. Youhou. On met que 50% mine de rien. Non, avec les croissants, je crois que ça la remplit pas de base. Ou je crois que si, soit à la fin du troisième champ, je crois que ça la remplit. Bah, ça va nous faire encore plus de rendement. Ça, dites-vous, il y aura le truc du nouveau champ aussi là qu'on va prendre dans la veine. Ça va être pas mal. Au bout d'un moment, on va avoir tellement de rendement qu'on sera obligé de changer de moissonneuse, les gars. Parce qu'au bout d'un moment, on pourra pas continuer avec celle-ci. Mais bon, ça c'est le dernier truc que je veux faire la moissonneuse. Parce que là pour l'instant, vas-y, pour 400, ça sert un peu à que dalle, vous voyez ça ou pas? Enfin, je regarde quelque chose, oui, c'est bon. Attends, est-ce qu'on est toujours en vidéo? Oui, c'est bon. Je me disais merde, ça appuie sur le mauvais bouton. Ça aurait été de ta faute, la musique était en bouquet. Dis pas ton pseudo parce que voilà, mais. Ok, les gars.
Ok, parfait, d'accord. En vrai, ça roule vite, hein. C'est dommage qu'elle roule qu'à 20, quoi. Pour aller jusqu'à un autre sens, mais bon. Mais là, ça va être la pro synchro qu'on a sans espace. Très bientôt, là, j'attends d'avoir au moins le 140, 47, 48 cette semaine, c'est mon but. La semaine prochaine, 50, 51, 50 croix. Et après, qu'on fasse un peu le 50, 51, 50 croix, 54, 55, 52. Et quand on aura tous ces 100 là, après, on se concentrera que sur la moissonneuse. Comme ça, on aura déjà beaucoup à faire avec la moissonneuse. Et vu tout ce qu'on va faire avec la moissonneuse, toutes les moissons qu'on aura à faire, et bah ça fera du boulot, on sait ou pas. À tout maçonner, ça fera pas mal de boulot. Mais ça sera bien, les gars. Me dis pas que j'ai oublié de semer ce sang. Ah putain, le con, on a oublié de semer ce sang, les gars. Voilà, on va à l'autre. Putain, le con. Là, je croyais l'avoir semé, moi. Je sais pas, c'est bizarre, j'ai dû oublier quelque chose quand même. Ça a été un peu vite ce mois. C'est pas grave. Moi, celui-ci, il risque d'avoir plus de pulvérisation, les gars. Mais je crois que le mec avait pulvérisé son champ, je crois. Attendez. Bonus de rendement, plus 50%. Ouais, il avait. C'est à labourer. J'hésite à acheter un truc pour labourer, moi. Comme ça, je laboure. Je sème. Je pulvérise. Comme ça, quand ça pousse, bah c'est parfait, tu vois. J'hésite, hein. C'est parti, merde. Attendez, hop là. Ok, parfait, les gars. On tourne, on tourne. En vrai, ce sang là, c'est des petits champs. Mais quand on va commencer à arriver dans les grands champs, les gars, ce sera plus possible de cette moissonneuse. C'est ça qu'après, ils assenseraient, les gars. Donc ça, j'attends d'avoir tous ces sons-là, là, le tour de la ferme. Ce sera déjà pas mal. Après, on s'en sera de moissonneuse. Là, cette semaine, déjà, les deux champs, hein, qui sont devant nous. Les avoir. Ce sera déjà pas mal. Iou, les freins qui sont pas top. Une fois après, là, faut qu'on ramasse toute la palle, les gars. Je dis, ça va être une vidéo cri-cri longue, hein. Là, pour une fois, là, je fais pas de cut, hein, on regarde vraiment ce que ça nous remporte, tu vois. Alors là, on va voir par rapport au rendement, parce qu'on a un rendement de 50% plus dans un petit champ qui est plus petit que méchant. Du coup, on va voir qu'est-ce qu'on va gagner. Est-ce qu'avant de finir le champ, on va devoir la vider? Est-ce que ça va aller deux fois plus vite ou pas? Là, actuellement, ça va deux fois plus vite, hein. J'étais à 63%, je crois. Je suis à 74%, hein. En vrai, ça va très très vite, hein. On n'y croit pas comme ça, mais waouh. Ça va hyper vite en vrai. Ok, parfait, les gars. Là, je sais même pas quel bench prendrait d'ailleurs en parlant de ça. Ah, bah, si, la benne du champ. Bah oui, de l'ouvrier qu'on était en train de faire. Et c'est en fait. Mais non, j'ai acheté la deuxième benne. Attendez, je me rappelle mieux. Bah ben oui, c'est déjà acheté la deuxième benne. Du coup, cette semaine, notre but, ce serait 47, 48, 50. Croix champ. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal à avoir jusqu'à 50. Comme ça nous ferait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça nous ferait 7 champs déjà. Ça serait pas mal. 700 à avoir, c'est possible. Hein. En vrai de vrai, pas gros difficile.
Ok, parfait, les gars. Ok. Iouf. Les freins sont durs, hein. Les freins sont très très durs, les gars. Ok, parfait les gars. J'aime bien qu'on fait pas de cut comme ça, qu'on teste les champs un peu, qu'on moissonne et tout ça. Ça vous fait voir plusieurs crues quoi. Après là on va ramasser la paille. Du coup voilà quoi. On ira la vendre aussi. Mais à mon avis il va falloir que j'aille vider ma moissonneuse avant. Du coup ça c'est bien les gars. Parce qu'en vrai de vrai... ça veut dire que le rendement est grave important le de labourer. Du coup, il faudrait que je laboure. Du coup, ça sera peut-être une nouvelle machine qu'on va acheter. On va peut-être acheter que deux champs et acheter la labour. Comme ça, la prochaine fois, on labourera ensemble en vidéo, les gars. Ok, parfois, on continue, les gars. Doucement, easy, easy boy. Ok, parfait les gars. J'espère en Kuta vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances depuis vendredi. Bonnes vacances à tout le monde en Kuta, ça fait toujours plaisir. Hein. Après les vacances de février c'est les moins fun. Hein. Il fait froid, il fait pas très beau. C'est moins les, moi pour moi les vacances les plus fun c'est juillet-août. Hein. C'est les vacances où il fait le plus chaud. Tu peux faire max de crues et tout, c'est pas mal. Et parce que les dernières vacances, ça c'est en avril maintenant. Janvier, février, mars, avril, mai. Et parce qu'en mai, il n'y a plus de vacances. Mai, juin, il n'y a plus de vacances. Dernières vacances, c'est en avril. Voilà les gars. Par contre, faut qu'on trouve une remorque. On se retrouve tout de suite dès que j'ai la remorque, les gars. A tout de suite. Ah, du coup, maintenant on ramasse la paille. C'est parti. Oh. Comme ça, on va voir dans le champ qu'on a. Qui ont labouré et tout ça là. Avant qu'on la sète. On va voir combien on s'en sort au moins comme ça. On va voir si on s'en sort pour cré-cré-serre. Ou si on s'en sort pour que dalle en paille. Genre si c'est un rendement beaucoup plus fort ou pas. Moi perso je pense que oui, hein, mais on va voir. Hein. En vrai cette petite crue à paille là, elle me suffit pour l'instant. Bon après quand je vais avoir tous les champs, petite pue. Hein, en vrai, pas trop. Oh. Ok, parfait, les gars. Ça, on a à moins 421, là. C'est parce que, comment dire... c'est quand on passe le temps. Genre, on perd de l'argent sur les propriétés, l'entretien du terrain, tout ça. Et hop, là, mais c'est toi qui vas faire l'entretien du terrain. On dit oui, maître. Oui, ah, exactement. C'est bien. Ok, parfait les gars, on continue. Putain, presque 17h le tracteur. Hein. Je me rends compte que waouh! On surgeek, hein! On dirait pas comme ça, mais putain. Oh là là! Oh là là! Je fais des tournées.
Mon père, il a dit, normalement, je crois qu'il répare des lignes. Du coup, c'est pour ça que des fois, j'ai des mini-bugs, les gars. Dimanche, c'est là. C'est dommage. De toute façon, je le vois direct parce que quand il me répond pas, généralement, c'est que j'ai bug. Du coup, c'est vite. Tu vois, là, j'ai entendu mon téléphone vibrer. Bah, j'ai pas entendu, les gars. Du coup, je sais que j'ai bug. Ah non, ça doit être une notif Discord. Bon, j'ai rien dit. Mais c'est un peu chiant. Heureusement qu'on n'est pas en stream. Hein. C'est putain. Ça ferait chier. Hein. T'imagines en pleine game Fortnite? Oh, non, imaginez. En plein top 2 en ranked. Bam! Micro bug d'une seconde. Oh là là! Alors là, je te mettrai des fessées, la miss. Curus direct, la miss. Allez, hop, hop, hop. Ah, j'aurais eu seum. J'aurais eu seum pour ma partie, les gars. You! Attends. En vrai, ça va, je fais quand même du rendement. Quand on regarde en vrai de vrai. On se fait pas mal de rendement. Après, là, ce que j'aimerais bien acheter, c'est un. C'est les trucs pour faire les ballots, les gars. Quand on aura beaucoup plus de champs. C'est les ballots, ça rapporte beaucoup plus en thunes que la palacée. Du coup, j'aimerais trop acheter les trucs à bail, le truc pour ramasser. Mais je sais pas quand, hein. Pas pour l'instant, avant d'attendre beaucoup, beaucoup de sang. Parce qu'en vrai, bah, ça rapporte beaucoup plus de. Ramasser les bottes que les faire en comme ça là. Du coup bah voilà. Après c'est ce que je trouve hein, les gars, dites-moi en commentaire. Hein. Et moi je trouve que ouais non, c'est plus rentable de le faire en truc. Hein. Ah bah il est rempli. Bon bah attendez, go aller le vider. On va le vider ensemble, hein, pas de cut, on connaît. Ça sert à rien de faire du cut. Ok, go les gars. Pente, oui, vous voyez la barre de réparation du fan qui descend. Ça, pareil, cette semaine, il faudra que je fasse. Parce que là, wouh! Le fan, il a pris une claque niveau réparation. Ouais, il va arriver bientôt à 20h. Il va falloir faire la vidange. Hein. C'est la réparation, les gars, c'est comme la vidange. Hein. Et ça, c'est horrible. Il tourne, il s'osie. Attendez, on va se remettre en voc aussi. C'est ça les micro-bugs, hein. Désolé les gars, vraiment. Voilà. Vraiment désolé en vidéo les gars si des fois je me remets souvent en voc. Mais c'est les micro-bugs d'une seconde, du coup c'est chiant. Du coup voilà, vraiment désolé. Même la miss elle a eu le serveur qui buguait. Elle n'a pas de sens. C'est ta faute la miss, dis désolé. Allez hop hop hop. Donc. Et là, on va ramener ça les gars. Ça, c'est à fait plus de 2000. Énorme. Alors, par contre, faut passer par là. Ok. Ça va, en fait, en vrai, ça roule vite. Hein. C'est vrai que j'ai resté un deuxième fan, parce que moi, comme ça, quand Wafi m'aide, les gars, c'est deux fois plus simple. Hein. Vraiment. D'ailleurs vous les gars, est-ce que vous avez hâte du Pro Sa FIFA? Du Pro Sa et Farming. Du Pro Sa Farming. En vrai j'espère qu'il y aura des tracteurs électriques, ça pourrait être trop bien.
J'imaginais un cracker Tesla. Ah, je suis sûr qu'un jour ça arrivera ça. Je crois qu'il y a le camion Tesla. Je suis sûr qu'un jour il y aura le cracker Tesla. C'est sûr. Ah ouais? Pourquoi la Miss? C'est trop fort, c'est ça. Bien sûr que ça peut encore tes messages. C'est des notifs, non, ça doit être des notifs Discord. Ah non, ah non, tu vois ce qu'il avait dit. Tu vois ce qu'il avait dit, les gars. Quand bizarrement je reçois sur le téléphone, mais que je reçois plus là sur le PC, c'est que ça va bug. Micro bug d'une seconde. Ok, parfait les gars. Prochain champ. Là par contre on va voir comment ça va monter les gars. Mais à mon avis ça va monter de fou. Parce qu'on a labouré, je crois que le sang a été crêté. Hein. Du coup en vrai... Ok, parfait les gars. Pareil pour ceux qui me disent pour faire les animaux les gars. Bah faut trouver un terrain. C'est ça le truc. Et pour l'instant... je sais pas où les mettre. Parce que c'est déjà la ferme. Déjà la ferme est pas assez grande les gars pour le matos. Dites-vous quand on range tout le matos à la ferme, bon, on a plus de place. Après il est pas souvent à la ferme parce que bah, on fait beaucoup de contrats et tout ça. Mais je peux vous dire que quand il est à la ferme, bah il n'y a pas beaucoup de place quoi. Vraiment. Du coup c'est pour ça aussi. Là faut que je pousse la moissonneuse. Ah oui, beaucoup plus de rendement. Putain. Je suis soc-barre. Ok, parfait. Ok, parfait les gars. Là il y a du rendement. Attends, en fait c'est ça qu'il faut que je fasse. Après ce qui nous rapporterait le plus c'est le ballot. Hein. Parce qu'en vrai les gars, la dernière fois j'ai vendu des ballots de d'herbe là. Je peux vous dire je me. Waouh, je suis direct monté à 34 mines. Ça faisait du bien quoi. Pas vous mentir que. Monter à 34 mines, ça fait vraiment du bien. Ok, parfait. J'espère qu'il va pas être rempli avant que je fasse le champ. De toute façon, les gars, on ira pas revendre ensemble. Hein. J'irai vendre en off. Je vais pas vous refaire retaper la route encore une fois. Ok, parfait. La benne que vous voulez, c'est la benne du client, les gars. C'est même la benne, les deux bennes qu'on a achetées. Ils sont remplis de grains parce qu'on est en train de faire des contrats, les gars. Du coup, c'est pour ça. Merde, attends, faut que je pousse la moissonneuse, moi. Tu vois, on va pouvoir aller la ronger, elle. J'irai la ronger après. Hop. Et la benne, je vais la pousser en même temps de rouler. Attendez. Ah non, attendez. Ça le prend pas comme je veux. Je voulais la crosser devant, mais ça le prend pas. Attendez. Pas grave. Hop. Hop. Des fois plus pratique, les gars. On va pas se mentir. Hein. Voilà. Merde, pourquoi c'est un cracker? Voilà. Des fois plus pratique, les gars. C'est par devant, ça voulait pas la crosser. Ça savait pas pourquoi, les gars. Petit coup de frein qui fait toujours plaisir.
Ok, parfait, les gars. Putain, il va être rempli avant que je finisse ce champ. Oh, je suis deg. Ah, il y a du rendement de fou malade, hein. C'est ça, en fait, qu'il faut acheter une laboureuse. Faut acheter ça et faut acheter une... racheter des trucs pour pulvériser. De toute façon, on va pas finir le champ ensemble, les gars. Ils iraient vendre après. Ah, quoique, on aura peut-être fini le champ. Il y a peut-être une ligne qu'on n'aura pas le temps de finir ensemble. Voilà, pas grave. Tous les gars, abonnez-vous, laissez un gros pouce bleu. On se dit à demain pour une petite stream. Et je vous dis balle, 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 balle. Une nouvelle petite vidéo, balle, 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 balle.